Waouh! Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 118e VOD Moe avec Virus sur Hyperdimension Neptunia Rebirth to Sisters Generation. Et pour mon petit Shrigan, ce sera oula 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 oula! C'est parti! Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche, nous avons arrêté Virtue sans difficulté, j'ai envie de dire, et nous avons désormais la possibilité de dire à. Histoire que ça va, que ça s'est bien passé. Mais Onesan, Verne-san, quand tu t'en vas et que tu ne me dis pas où tu vas, ça me brise le cœur. Ne te fâche pas, Chika. C'était une urgence, tu vois. Je n'ai aucune idée de ce que signifie l'apparition de ce rat, mais je suppose que ça a quelque chose à voir avec le retour de la déité du péché. Il a exhibé une puissance terrible. Nous devons mettre en place une contre-mesure aussi rapidement que possible. Je suis d'accord, nous devrions retourner à nos nations respectives et mettre en place notre nouvelle politique comme nous avons discuté. Le petit qui comprend rien. Une politique de nudité. Et qu'est-ce que tu es en train... Qu'es-tu en train de planifier d'aussi pervers? Nous avons mis en place une nouvelle loi qui restreint l'activité de Magicon. Les ventes de des produits d'Azik ont été bannies. De plus, tous ceux qui feront des téléchargements illégaux et des uploads devraient rencontrer de sévères ennuis. Tous les endroits de mise en vente de ventes illégales de trucs illégaux vont rencontrer nos professionnels de loi. Attends une minute, trop d'informations pour moi. Laisse-moi le temps de décanter tout ça. Comment cela va-t-il aider? Si tout se passe comme nous l'avons prévu, cela va altérer les chairs qui viendront de Azik. Cela risque de ne pas être la politique la plus populaire que nous avons mis en place, mais cela va augmenter notre champ d'action. Si c'est tout ce que ça fait, mais pourquoi nous ne l'avons pas fait avant? Je suppose que c'est parce que nous n'étions pas présentes pour approuver cette politique.
女神が不在の状態で犯罪心の撲滅を歌っても人々は耳を貸さなかったでしょう。Oui, sans déesse pour appliquer cette politique, les gens l'auront simplement ignoré. Mais avec votre retour, je pense que ce timing va se trouver très effectif. Ah, j'ai compris. Enfin, excepté que je n'ai pas compris. Mais si tu penses que ça va marcher, fais ce que tu as à faire, Is. Oui, j'ai bien compris cette politique, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as besoin que nous fassions ? Nous avons un autre job pour vous, les filles. Occupez-vous de tous les membres d'Azik et des monstres qu'ils ont relâchés. Tu vas te faire ta propre promotion en faisant ton travail en public. Dans les faits, te montrer toi-même en public, plus souvent, en général, va très certainement faire bouger le cœur des gens. Considère que tu n'as pas à y penser, tu ne devrais pas y penser trop fort. De toute façon, ça te va bien, vraiment. Est-ce que tu réalises que cette dernière phrase n'était pas garantie ? Ça a l'air facile pour moi. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Ouais, super facile même. Ça va être du gâteau. Ces deux-là me semblent étrangement similaires. Le temps nous est compté. Je compte sur vous toutes. Montrez-nous votre vraie puissance. Ouais, nous ferons de notre mieux. Bah on va faire ça, ça a l'air cool. Bon bah pas grand chose là, et c'est plutôt cool à vrai dire. Moi je vous propose de faire un épisode un tout petit peu plus long, en envoyant Stella dès à présent, faire un donjon. Itekimasu ! Voilà. Et on va s'accorder quelques minutes pour aller regarder les infos. Ouais, mes nouveaux crayons font la paire avec ceux qu'a reçu Ram. Mais ça marche, Flom. Le dessin, hein, toujours. Voyons voir, peut-être un truc à la station. Ah, c'est Falcomu. Ouais, je devrais aller pêcher aujourd'hui. Le temps est superbe. Et j'ai le sentiment que je vais en attraper un gros. On va faire ça. Ouais, excellent, j'en ai attrapé un. Mon dieu, encore. Aujourd'hui, tu es la seule qui a des touches.
Eh, c'est ce qui se passe quand je deviens sérieuse. Oh, donc la dernière fois, elle n'était juste que la chance du débutant pour moi. Oui, ça arrive. Désolé pour la façon dont j'ai agi la dernière fois. Ça ne me ressemble pas du tout. S'il te plaît, ne t'excuse pas. J'étais juste un petit peu surprise parce que je ne t'avais jamais vraiment vu en colère. Ah, Falcom, tu dois vraiment aimer pêcher. Oui. Quelqu'un d'autre m'avait forcé la première fois, mais en quelque sorte, c'est devenu mon passe-temps favori. Tu as été forcé? Oui, un village dans la campagne. Une fille est apparue devant moi et m'a donné une canne à pêche de débutant. Elle était énergique et vivante comme le soleil, avec avec ses petites couettes. Elle s'est approchée et m'a dit « Pourquoi est-ce que t'as l'air aussi dépressive? Tu devrais essayer de pêcher. » Dépressive? Je ne peux vraiment pas t'imaginer comme ça. Est-ce que tu es en train de dire que je suis trop optimiste? Ah non non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire du tout. Non, t'inquiète pas, je décode. En même temps, j'étais dans de graves ennuis. Merci à elle et à la pêche également. Même si... je me suis ressaisi. Je vois. J'aimerais beaucoup rencontrer cette fille. Où est-ce qu'elle habite? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas bizarrement. Ma mémoire est un petit peu confuse depuis ce temps-là. Je ne pense même pas que me souvenir de son nom. Toujours est-il que j'aimerais beaucoup la voir encore. Et que penses-tu de ça? Une fois que nous en aurons fini avec notre voyage, nous pourrons aller la rechercher. Je suis intéressé dans le fait de la rencontrer également. Pas une mauvaise idée. C'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Nous trois pourrions balancer nos lignes pêcher ensemble en paix. Je ferais mieux de m'entraîner avec ma technique de pêche avant ça. Ou alors elle risque de m'engueuler. Je devrais essayer plus fort. Je devrais m'entraîner plus durement également. Oui, nous avons augmenté le Lil Rank entre ces deux personnages. Eh bien, c'est bien. Ouais, j'en ai attrapé un gros. Il était beaucoup plus gros que ce que j'espérais d'une rivière, dans tous les cas. Refirf. Eh, peut-être que je pourrais devenir la reine de la pêche. Ça marche, on fait ça. Du coup, on a un événement à pleine étune. Ouais, donc il se passe pas grand chose. J'aimerais beaucoup retourner au cimetière de Game Industry, à vrai dire. Et alors, les méchants ont mordu la poussière.
Eh, c'est super de voir un empire démoniaque sur les genoux. Mais ce cercle vicieux commence à être ennuyeux. Ah, ça fait chier. Pendant combien de temps nous allons devoir faire la même chose? Je suis d'accord avec Ram. Ça commence à devenir chiant. Traiter les différents symptômes ne va pas nécessairement guérir la maladie, tu sais. Je n'ai jamais été quelqu'un qui employait des tactiques inefficaces après tout. Mais que pouvons-nous faire alors? Que pouvons-nous faire d'autre? Ah, téléphone! Une seconde. Oh super, voici un appel. Pour... Eh, écoute, allô? Oui, ok, merci. Timing parfait tout le monde. Nous avons trouvé une usine d'ASIC clé qui manufacture des processeurs modés. Une usine d'hardware. Eh bien, si nous pouvons les stopper alors... Nous pourrions potentiellement stopper la distribution de ces trucs stupides entièrement. Oh, c'est fun! Est-ce que nous allons descendre en rappel à travers les fenêtres? Où est-ce que c'est? La station. Est-ce que nous devrions aller régler ça tout de suite? Bah moi je dis oui, hein, ça pourrait être cool. Surtout qu'on n'a pas grand chose d'autre à foutre à vrai dire. Mais il reste 2-3 infos, alors on va aller regarder ça. Hey, regarde à quel point je suis fantastique. Ou ne le fais pas, ou peu importe. Eh, hey, j'ai jamais vu ça avant. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Quelque chose était dans ma chambre. C'est terrifiant. Garde ça loin de moi. Cool. Intéressant. Un nouveau plan. Mario! Ceci est un disque... utilisant les couleurs de mon jeune frère, mais il agit bizarrement récemment. J'ai sauté sur sa tête et je lui ai pris. Il n'y a aucune raison pour moi de le garder, donc tiens, prends-le. Green Disc, ça marche. Cave. Est-ce que tu veux que je te donne un message spécial? Crève. Comment c'était? C'était bien, Cave. Kazeshima. Eh, mes mignonnes tourelles ne sont pas lourdes. Ou alors, peut-être que je suis musclé. C'est un mensonge, ok, Amiral? Ça marche.
On fait ça. Eh, je vais te donner ce plan. Pense à ça comme si c'était une quête. Ça marche. Loui. Allons voir ça. Mon corps est endommagé. Mais les dégâts sur mon téléphone sont beaucoup pires. Sont plus pires. Sont pires. Voilà. Combien de jeux aurais-tu pu racheter avec l'argent des réparations? Bon, eh bien, il nous reste plus que Magicon Factory. Et oui, je dis Magicon, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça en japonais. Alors voilà. Alors, c'est l'usine, hein, mon dieu, c'est... Il y a tellement de trucs et de machins et de hardware et de gadgets que je n'ai jamais vu avant. Ne sois pas heureuse à propos de ça. C'est plutôt impressionnant qu'Azix ait pu gérer une telle opération sans avoir été détecté plus tôt. Est-ce qu'on pourrait casser des trucs maintenant? Je suis déjà en train de le faire. Cet endroit fait plein de... est fait de plein de trucs à bas prix. Je suis déjà en train de... essayons de tout casser. T'as l'air d'un barbare. Si tu fais une grosse scène, si tu fais du bruit, ils vont se barrer avec leur matériel. Si tu vises le... Si tu vises l'échelon le plus haut de cette usine, alors l'opération va tomber en ruine. Tu veux dire comme un manager? Oui, sans un leader, beaucoup de groupes s'arrêtent et se rendent sans se battre. Ah, ça marche. Bon, ça ressemble à la Mid Company, ça, en tout cas, on s'en doutait. Piece of Concrete. Oh, c'est cool. Ça va me servir à certains plans. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, là, il y a des trucs. Hein. Dense Earthstone. Ça marche. Alors, est-ce qu'ils sont méchants? Ouais, pas trop en fait. Hein. Oh là là, c'était rapide. Je pensais qu'il serait plus méchant que ça. Laisse-moi faire. Il y a la détail, no dale. Ouais, alors en même temps, c'est vrai que mes persos sont complètement craqués. Hein. Surtout n'est peut une quoi, ça veut rien dire. Par contre, eux ils font des dégâts, ah, c'est bizarre ça. Wouah, 2000 de dégâts, bon, fond, ça m'a encore, mais. Rainbow Pito, oh génial! Ouais, compa level 100. Cool! Ah, il y a des trucs là. Oh, c'est une guitare! Il y a une guitare pour 5 PB.
C'est cool. On a gagné une guitare, les gars. Ouais. Alors tu as combien d'heures de jeu? Bah je n'en sais absolument rien, mon cher Firth. Je pense qu'on a beaucoup d'heures de jeu déjà. High pressure. Soixante-dix-neuf, ouais, cool. Ok, ça veut tout dire. Non, ce non. Mais disons que je fais pas très attention au temps de jeu. Je fais pas du tout attention. Bah de toute façon, hein, il faut voir au niveau en VOD. Combien de VOD? Mais c'était pas significatif, comme vous le savez, hein, je prépare tous ces épisodes. Rainbow Beetle, cool! Alain! Eh merde! Surprise attack! Je vais laisser Aïef taper là-dessus. Calico Whisker. Des moustaches de Calico. Tiens, viens là, toi. Eh, on pourrait essayer de trouver le trésor secret de ce donjon. Et voilà. Ah, il y a ça. Bon, bah on trouve des plans. C'est plutôt cool, à vrai dire. Piece of concrete. Un morceau de béton. Ah. Alors, attendez. On va essayer de trouver le trésor. Avant de s'attaquer au gros monstre. Oh, loupé. Il est dur à toucher, lui. Oui, attaquer Nepegear. Elle ne craint absolument personne. Oh là là. Même Aïef est quand même violente. Alors, où est-ce qu'il se trouve ? Secret. Il est où le secret? Y'a pas le secret? Le secret? Non, il n'est pas là. Peut-être par là? Peut-être là? C'est bizarre, je le trouve pas. Mais quand même pas au début. Bah mince alors. Cette zone n'est pas si grande que ça. Ah, le voilà. Oh, bien. Change dungeon. Non. Yaretai no dare. Cool. Si vous avez compris ce que je fais actuellement, hein, je suis en train de monter l'Exedrive Gauge. Alors il me reste plus que je pense un seul monstre et on est bon. J'aimerais m'attaquer au gros monstre. Ah ouais, ce one shot. Oh là là. Level 76, ça fait plaisir. Allez, toi, viens là.
Ah mais c'est vrai qu'on n'a pas changé l'arme de Neptune. Elle se bat avec un sabre en bois. Les dégâts qu'elle fait avec un sabre en bois. Ouais. Je crois que c'est Dual AG. Ça fait mal ça. Ouais, j'ai pété sa garde. Allez, tiens, tiens, Star Shainu. Salut Tata, comment vas-tu? Du coup, eh bien, ok, Event, merci pour ton host. Allez, tout le monde en rang, je veux voir des résultats aujourd'hui. Juste un petit peu plus et Azik aura le contrôle, il aura le monde sous son contrôle. Tout le monde nous acclamera. Eh, hey, toi encore? Très bien. Eh, pas de bavardage. Allez au boulot. Eh, merde, mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Hey, ya, oh, ya. Salut, salut, salut. Nous sommes ici pour tout péter dans cette usine en petits morceaux. Bing bing boom, en gros. Eh bien, dépêche-toi et barre-toi, enfin, oui, barre-toi comme tu le fais toujours. Eh, on dirait que tu... Est-ce que tu veux dire que tout ce que je fais, c'est m'enfuir? Mais c'est toujours ce que tu fais, c'est toujours ce que tu fais, pas vrai, Lomachan? Eh, me faire passer pour un imbécile, je peux pas laisser cette mission échouer. Comment... Madame Soufifre, enfin, Soufifre-san est certainement motivée aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas échouer, nous non plus. Tu n'es pas autorisé à faire plus de ces appareils illégaux. Ah! Bon bah tu vas prendre! Tu vas prendre! Tu vas prendre! Ah oui, ça va faire très très mal, je le sens! Ah, c'est dommage! Oh là là! Cette violence! Vas-y, Kampa! Ah! Bon ben! Le Vétole de Saints Row! Il est de retour, oui! Le voici!
Regardez-moi cette perfection. Double missile. Fire. Bré, bré. Headshot. Headshot. Cette violence. Cette espèce de bourrin, quoi. Et c'est le level up. Yatta, on a gagné. Je sais pas pourquoi tu as pu que tu pouvais te dresser contre nous toutes. Ferme-la, ok. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Vous êtes des cheaters. Des cheaters? Ah mon dieu, mais avec les items que tu développes, avec les objets que tu développes, ça tirait mieux, non? Et tous tes petits copains de l'usine se sont enfuis. Peut-être que tu devrais, les suivre ou quelque chose? Je peux pas. Magic Kotogard Sama m'a dit de tenir la position. En aucun cas je m'enfuirai juste parce que vous les poupées vous m'avez molesté. Ouais, on dirait qu'elle est vraiment motivée aujourd'hui. Jamais tu ne gagneras contre nous. Abandonne. Quelle admirable résolution. Oh, Gundam! Ah, mais c'est... Brave the Heart-sama! Brave the Heart-sama! Reste. Mets-toi à l'écart, je vais m'occuper d'elle. Mais cette usine, je ne peux pas échouer dans ma mission. Rien de bon n'arrivera si sacrifie ta vie en vain. Dégage. On se retrouvera. Oui, j'ai attendu pour ça également. Je ne peux pas vous autoriser à détruire cette précieuse... notre précieuse usine. Quittez cet endroit, ou alors... Non, jamais. Nous ne pouvons pas laisser cet endroit continuer à faire ses processeurs. Attends une minute, Nepegir. Laisse-moi lui parler. Yuni-chan. Tu es notre ennemi, mais honnêtement, je ne peux pas sentir de mauvaises intentions de toi. Mais je pense que j'avais tort. Je ne peux pas croire que quelqu'un de bon défendrait ce qui est en train de se passer dans cette usine. Euh,
Détruire cet endroit apportera la tristesse chez les enfants du monde qui recherchent le bonheur. Je ne peux pas autoriser ça. Quoi? Mais si ces processeurs sont distribués, le monde tombera dans le chaos. Alors personne ne sera content. Ta logique est naïve. Si personne n'achète rien et qu'il récupère tout illégalement, comment l'économie pourrait prospérer? Aucun nouveau spectacle ne sera fait. Tout cela va essentiellement damner tout Game Industry. Tes mots viennent de la bouche de ceux qui manquent de talent pour créer des jeux vraiment mémorables. Le talent n'est pas... Le talent n'a rien à voir. La compétition, c'est ce qui fait apparaître de nouveaux contenus créatifs. Et alors, que se passera-t-il? Qu'en est-il de ces enfants qui manquent, qui n'ont pas ce sens, qui n'ont pas l'ambition de se réjouir de telles choses? Est-ce que ta réponse a créé un fonds monétaire d'un accès restreint à tout ce que nous pourrions nous enjailler? C'est impossible pour les gens de vraiment et sincèrement s'enjailler de quelque chose qu'ils ont obtenu illégalement. Alors pourquoi recherche-t-il des réponses avec Magicon? C'est cela que le public désire. Mais pas tout le monde a un esprit fort. Certains tombent dans la tentation plus facilement que d'autres. C'est pour cela que nous devons tirer une ligne claire entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nos idéaux ne coïncideront jamais. Je ne peux pas accepter tes arguments. J'espérais que tu avais suffisamment de wisdom, d'esprit pour voir la réalité. Assez bavardé, je vais vous vaincre pour la gloire des enfants du monde. Pour le bien des enfants du monde. Et je vais te vaincre pour la même raison. Je vais protéger les enfants du monde de la tentation. Ok.
Alors, il est temps de faire des vraies choses de notre vie. Ah là là, violence. Violence sur 20. Mudada. Transformation. Mudada. Voilà. Sukuda. Allez. Combo Link. Là, il perd beaucoup de vie par contre. Hein. Oh là là. On est en train de le bolosser, littéralement. Ok. S-Rifle. Oh, ça peut être très cool. Oh, 240 000 XP. C'est bon, ça. C'est bon, ça, mon gars. Oui, level 77, Neptune. J'ai perdu. Ouais, c'est fini. Et en japonais, elle a plutôt dit « Ouais, on a gagné. » Pourquoi est-ce que ma force d'esprit n'était pas assez fort, n'était pas suffisante? Ne désirais-je pas assez protéger les enfants? Nos désirs sont les mêmes, mais la façon dont nous accomplissons ces désirs sont différents. Dis-moi, est-ce que les enfants seront heureux? Est-ce qu'ils trouveront la joie à travers tes idéaux? Oui, je le jure en tant que déesse aspirante que je construirai un futur pour la nouvelle génération qu'ils pourront apprécier. Et maintenant, après tout ce temps, s'il te plaît, donne-moi ton nom. Yuni, je te ferai confiance avec mon esprit. Protège et nourris la joie de du monde des enfants. Oh, du drama! Brave Bee. Je le ferai, sois en paix, Brave.
Et maintenant que Brave est tombé, non, et maintenant Brave est tombé, quel combat persistant pour ces enfants terribles. Ces mignonnes sont fortes, mais avec ces déesses qui les ont rejoints, leur puissance est devenue dangereuse. Ils ont prouvé être une plus grosse nuisance que nous pouvions l'espérer. Et des mesures drastiques sont nécessaires. Et qu'as-tu en tête ? Jeter leur chair dans le chaos et nous faire gagner un peu de temps. Tout en gagner sera suffisant. Je ne sais pas ce que tu es en train de planifier, mais si tu mets mes petites mignonnes en danger, je démissionne. Ça ne sera pas nécessaire. Tu pourras faire ce que tu veux avec les déesses aspirantes. Vraiment? Comme je veux, hein? Donc je pourrais faire tout ce que je veux, peu importe à quel point cela est extrême. Je ne me répéterai pas. Je te brieferai sur mon plan plus tard. Ah, très bien. Je suis en train de... Je me délecte déjà d'anticipation. Je devrais préparer leur garde-robe, des uniformes scolaires, des maillots de bain scolaires et des chapeaux et des machins pour porter sur la tête. Peu importe le résultat, cela se prouvera en tant que favorable pour moi. Je n'ai qu'un seul goal, je n'ai qu'un seul but après tout. Ça fait un moment que nous avons éteint les opérations, que nous avons mis un terme aux opérations de cette usine, mais... Et la vie est devenue si ennuyeuse. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fun à faire? Je suis si ennuyé. Enfin, en gros, je m'emmerde. J'ai déjà joué à ce jeu d'attente. Je voudrais aller voir un endroit cool. Je suis d'accord, c'est une perte de temps. C'est très improductif. Si nous n'avons pas de plan immédiat, peut-être que nous devrions retourner à notre à nos maisons. Hein?
Le Engir. Oh, oh non, c'est le mien. Ah, ça doit être le mien. Ah, Chika m'appelle. Allô, Chika, comment tu vas? Onee-sama, nous avons un problème. Est-ce que tu pourrais revenir à l'inbox immédiatement? Immédiatement? Mais qu'est-ce qui pourrait être si urgent? Bonne nuit, Firth. Des rebelles sont en train de mettre à sac la ville. Nous essayons de les stopper, mais ils sont bien trop nombreux. Oh non, l'inbox. Bien compris, j'arrive. Chika, sois sûr que tout soit prêt jusqu'à ce que je revienne. Vous tous avez entendu la situation. Je dois retourner à l'inbox. Nous allons venir avec toi. Oui, je ne suis pas du genre à dire, à avoir non comme réponse, tu sais. Vous me sauvez la vie, alors s'il vous plaît, comment, prêtez-moi main forte. Ouais. Ah bah voilà. Bah il va se passer des choses maintenant. À l'inbox, et à la station. Et allô, oui. Ok, il se passe des choses un peu partout au final. Donc du coup, on pourra pas trop aller voir Stella, parce que si, à mon avis, si je clique sur une de ces villes, ça va lancer un event. Donc on va pas faire ça, on va se quitter. Hein, bah, cet épisode est déjà suffisamment long, je pense. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Plein de gros bisous et surtout hashtag... Amour viril !